C'est très bien d'avoir la conviction que ces rêves vont se réaliser, mais pour les réaliser, il en faut plus. Et ce plus, c'est à chacun d'aller le chercher. Bonsoir à tous et bienvenue sur... Très heureux les amis de vous retrouver ce soir encore avec un invité dont vous allez partager l'expérience et nous espérons qu'il va vous édifier ce soir. On a beaucoup de choses à se dire entre temps, mais avant vous savez qu'il faut venir ici, faire venir ici toute l'équipe. Voici l'équipe de Catapulte. Dominique, Renaud, Queen, MJ. Il ne manque personne pour ce rendez-vous, Queen. Oh yes, je suis très très émue. Don't blink. Ah oui, lorsque le talent, le savoir bien faire, ça lie à la passion, ça donne une bombe. Une bombe non pas seulement pour ces femmes, hein, mais aussi et surtout pour ceux qui se trouvent là-dedans. Si vous voulez savoir de quelle belle à la gaz, ça, il s'agit, c'est tout simplement. Belle à quoi? Belle à la gaz, ça. D'accord. Oui, chers téléspectateurs, la dame que nous recevons ici ce soir est très, très, très charmante. Elle a l'habitude de dire, les mots qui ont été créés dans le dictionnaire sont faits pour être utilisés. Donc, elle les utilise au maximum. Partout où elle passe, elle met le feu. J'espère que les extincteurs du plateau se sont là. Hein, parce qu'elle va mettre le feu. Chers téléspectateurs, ouais. C'est simple. Si vous êtes chez vous, installez-vous confortablement. Et évitez de vous faire distraire parce que ça va vraiment aller vite. Hein. Il faut garder la télécommande. Ouais, là, ouais, là, ouais. Là, je sais pas. MG, on a un invité. On a un invité qui assure. Rassure et carbone de pas le monde. Parce que cette perle rare n'est pas faite d'or, mais elle vaut plus que l'or. De quoi est-elle faite? Je ne sais pas, mais je vous invite à la découvrir sur ce plateau. Alors, de quoi elle est faite? On ne le sait pas non plus, on va tous se découvrir, madame, messieurs. Nous ici, nous sommes prêts, le public aussi, certainement. Alors, on va donc tous partir pour... Catapulte! Rejoignez la communauté Catapulte sur la page Facebook de Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Hello, welcome to the quiz. Toi aussi, tu veux être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce magnifique t-shirt Je Catapulte? C'est simple. Il te suffit de répondre correctement à la question suivante. Quel nom d'artiste porte notre invité de ce soir? Envoyé par SMS au 81 93, KTP1 pour Cocotte l'argent. KTP2 pour Coco Argenté ou encore KTP3 pour Cocotte Argence. Bravo aux précédents gagnants, merci et à très bientôt. Qu'est-ce que nous avons au menu ce soir? Vous le savez certainement, les rubriques habituelles. Donc le step by step, on va découvrir le parcours de notre invité, mais aussi une petite escapade. Escapade où moi j'adore particulièrement, on va aller le voir. Comment se prépare le sangha? Je suis déjà très heureuse. Et bien entendu, l'équipe va tester pour vous en live le métier de l'invité. Moi personnellement, je n'en dis pas plus. Donc vous verrez vous-même ce que ça va donner. Et bien entendu aussi... L'invité a exercé un métier qu'il n'a pas l'habitude de faire. Notre invité, vendeur de tubercules, plantains, macabos et même de la cola au marché, vous allez le découvrir tout à l'heure. Notre invité est magnifique, nous l'adorons, il fait notre fierté, mais il n'est pas au-dessus de la... gloire. Il va passer à la... gloire. Et oui, et répondre aux questions qui lui seront posées ici. Mais comme je ne connais pas le nom, je vais peut-être demander à Mr. Vibes de nous dire... Qui est l'invité ce soir, Mr. Vibes? Mr. Vibes, please! C'est dans l'arrondissement de Djoum, dans le département du Dja et Lobo, région du sud Cameroun, que nous est venue cette véritable bombe à retardement. Avec elle, vous conviendrez avec nous que le talent à lui seul ne suffit pas, mais qu'il faut en plus conjuguer à cela la conviction et l'audace. Quel est son patronyme?
à vous de le dévoiler. Je m'arrête là pour l'instant. Merci, Mr. Vice. Madame, monsieur, je vous prie d'accueillir ici comme il se doit. La go de way, très très fort. Coco! Enchanté! C'était cette invitation. Nous sommes très heureux de t'avoir ce soir. Moi aussi, je suis très, très, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et en plus, on a un public chaleureux. Ça me donne envie de faire. Ah, ah oui, on a fait beaucoup de choses avec des copines, son expérience, son parcours. Comment elle a fait? Parce que figurez-vous qu'elle n'a pas atterri juste comme ça. Elle a dû traverser beaucoup d'épreuves. Bon, il y a quelqu'un qui a failli avoir un AVC là parce qu'il s'est arrêté juste devant lui. Mais bon, allez, on regarde, c'est step by step, le parcours de Coco. Et on se retrouve sur le podium. Même s'il est vrai que la conviction, c'est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance et qui nous porte pour rendre l'impossible possible, elle ne suffira jamais pour réaliser nos rêves dans ce monde essentiellement épineux. Car traverser les embûches qui s'érigent devant chacun de nos pas exige de l'audace, de la détermination et du travail en plus. J'ai d'abord été surpris par le fait que ma sœur me dise que de temps à autre, elle chantonnait à la maison, qu'elle est très intéressée. Elle avait fait un tour à la chorale, bon, on avait trouvé ça intéressant. Mais dans le lot de la chorale, vous me dites c'est un peu comme un fonctionnement ordinaire. Parce que c'est un peu comme aller au culte, tout le monde, c'est normal. Donc à ce moment-là, vous ne voyez pas le côté artistique. Vous dites, bon, ok, c'est un atout, elle le fait pour Dieu. Mais en tant que... son oncle, j'avais une autre sensibilité qui était telle que je ne pouvais pas l'encourager. Ça fait que toutes les fois qu'elle a voulu approcher, quand elle me trouvait avec une guitare, elle disait comme tonton, chante, joue-moi un peu, je vais te chanter mon mécanisme. Un jour, elle m'a chanté une chanson de grâce des cas, j'ai eu la chair de poule. Mais pour être honnête, je n'ai pas voulu l'amener à croire que c'était juste ce qu'elle faisait. En somme, pour moi, j'avais vu la fibre. Mais je ne pouvais pas l'encourager aussitôt pour qu'elle ne s'égare pas. Coco Argenté, la digne lionne de la tanière, plusieurs fois lauréate des concours de la chanson de l'UNESCO, du Commonwealth, de l'ONU au lycée, ne s'est jamais laissée détourner par sa conviction. Quand mes parents détestaient tellement que je fasse des cabarets, ce que je faisais généralement, c'est que je me cachais. J'attendais quand mes parents dorment. Je sors, je dis, je vais faire pipi à l'extérieur. On avait une toilette à l'intérieur, mais moi, je préférais la toilette de l'extérieur. Je mets mon kabangondo là, en bas là. Il y avait des habits sexy graves. Alors, je profitais, j'allais rapidement chanter à la Plaza, en Gaoundéré. Ça, c'est un cabaret réputé que tout le monde connaît. Le destin jouera à sa faveur sans crier gare et lui ouvrira la première porte vers son rêve. En classe de terminale, je vais faire mon baccalauréat au Tchad. On dit on double, on fait au Cameroun, on va faire au Tchad. Et à partir de ce moment-là, j'ai la chance d'aller m'amuser dans un cabaret après le bac, hein, parce qu'on est supposé rentrer au Cameroun, toute une équipe d'étudiants. J'arrive à N'Djamena pour dire au revoir à N'Djamena, au revoir à l'accueil que nous a réservé N'Djamena. Mes camarades de classe me mettent au défi. Ce n'est pas les cabarets de Ngaoundéré, ce n'est pas les concours de l'ONU ou de l'UNESCO ou du Commonwealth que tu as gagné. On veut que tu nous fasses quelque chose ici. Alors j'entends sur le micro de l'autre côté, nous allons inviter une artiste. Elle s'appelle Coco. Coco, tout le public se met à applaudir. Mes camarades avec lesquels on a fait le voyage pour venir composer le baccalauréat à N'Djamena. Oui, elle est là, elle est là, elle est là. Avec la honte, le stress et tout, je suis obligée de me lever. Je commence.
I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yeah, I'm got a black magic woman. Got me so black and see that she's a black magic woman. And she cried to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, babe. Ça, c'est la chanson qui change ma vie. Lendemain, le patron de ce cabaret vient me voir avec une proposition magique. Il me dit, écoute, j'ai aimé ton passage tout à l'heure. C'était un blanc, hein, Alain Fontaine. Il me dit, j'ai aimé votre passage tout à l'heure. J'ai jamais vu de chanteuse dans ce cabaret. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord de rester à N'Djamena pour... Je lui dis, papa, ma famille m'attend au Cameroun. Le patron me propose, je te paye 300 000 francs par mois, francs CFA par mois. Imaginez, vous êtes en classe de terminale, on vous propose 300 000 francs par mois parce que vous avez fait I got a black magic woman. Et on vous propose un appartement meublé, logé, nourri, blanchi et véhiculé en terminale. Comme j'avais tellement peur de mes parents, franchement, pour ça, j'ai dit au monsieur, laissez-moi un peu de temps de réfléchir parce que nous, on doit partir, on doit rentrer sur le Cameroun, les familles nous attendent et tout. Ce sont mes camarades de classe qui me disent, mais ça, c'est une proposition en or, Coco. Si c'était moi, je restais. J'ai dit, mes parents vont me tuer. Mes parents vont me tuer. Alors, j'ai réfléchi. Je ne sais pas, je ne savais pas quelle décision prendre, mais je me suis dit, là, je suis en classe de terminale. À un moment, je dois un peu suivre mon instinct. Je ne suis pas en train de conseiller aux personnes qui m'écoutent de faire comme moi. Mais moi, j'ai pris la décision de rester au Tchad. Et mes camarades sont rentrés sans moi. J'ai coupé tous mes téléphones parce que je savais que mon père était capable de prendre le vol pour me trouver à N'Djamena. J'ai tout éteint. Je suis restée en aventure comme ça. Et cette aventure m'a permis sincèrement de travailler dans ce qu'on appelle l'art musical. La route s'est ouverte, mais le chemin vers le succès reste improbable, surtout avec les appréhensions de son entourage. Et je quitte le Tchad en 2003 pour mon voyage en Belgique. Et en Belgique, je deviens aide-soignante, donc je vais à l'école vraiment en Belgique dans le paramédical. Je deviens aide-soignante où j'ai travaillé pendant 3 ans. Je décide donc de venir essayer l'enregistrement avec mon tonton Angelbert Bomba, hein, qui est mon arrangeur, qui, je vous assure que pendant ma douce enfance, les gens en classe de 3e, je disais, tonton, je veux que tu nous produises avec mes copines, les Feeling Girls et tout. Ah, mon tonton disait, écoute, tu n'as pas le niveau, tu vas raisonner en quelle langue? Et comme mon papa disait, ni le français, tu ne parles pas. L'anglais, tu ne connais rien. Le boulou même qui est ta langue, tu ne maîtrises pas. Le douala qui est la langue maternelle de ta maman, tu ne connais pas. Tu vas chanter en quelle langue? Mais la détermination qui caractérise la Godewe très très fort lui permettra d'ouvrir la deuxième porte vers son rêve. J'ai appelé mon tonton, Angelbert Bomba. Je dis, allô tonton, écoute, je n'ai plus 6 ans, je n'ai plus 7 ans, je n'ai plus... Je pense qu'aujourd'hui, je t'ai donné le baccalauréat, vous m'avez demandé le bac, vous m'avez demandé la licence, mais moi je ne suis pas allée jusque là. Je suis allée 1 an à l'université pour voir comment ça se passait. Donc ça veut dire, pendant que j'étais en N'Djamena, je chantais le soir, j'allais à l'école. Jusqu'au jour où j'ai compris que bon, pour moi là, c'est bon. Je l'appelle au téléphone, je dis à mon tonton, tonton, je pense que là maintenant, je suis prête à enregistrer mon premier album. C'est en 2010 que le rêve se concrétise avec son premier album Nostalgie, dont le titre phare Dans la tanière secoue le Cameroun et révèle définitivement Coco Argenté au public camerounais et mondial, les tournées et les récompenses s'enchaînant de plus en plus. Il va te cogner comme si venait de piller. Ma bonne femme ne reprend tant que sa darido. Sans vous mentir, je comprends l'acharnement que mes parents ont eu pour moi parce qu'aujourd'hui, ça me permet de me discipliner moi-même, de discipliner ma compagnie argentée avec laquelle je travaille, de discipliner mes danseurs, de discipliner tout mon entourage. Parfois, mon entourage me trouve très, très strict. C'est pas ça, c'est parce que je sais ce que je veux et mes parents m'ont transmis une certaine valeur et voilà, je respecte ça aujourd'hui et je vis comme ça selon l'éducation que j'ai reçue de ma famille. Yeah.
deuxième album Trésor sera la consécration et la confirmation de son talent et de sa maturité. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement dire merci aux personnes qui ont confiance en moi. Merci aux personnes qui croient en moi. Parce que avoir des personnes, travailler avec des personnes qui croient en vous, c'est pas évident parce que ces personnes sont obligées de vous suivre au quotidien, de laisser leur rendez-vous pour être avec vous, pour suivre et respecter vos idées ou encore ajouter leur idée à vos connaissances aussi, qui ne sont pas forcément les meilleures. Je voudrais tout simplement dire, je suis une femme comblée, une artiste épanouie. De son vrai nom, Corinne Céline Tchamé est fille de Mokulundeng Thomas, contrôleur de train à la retraite, et de feu commis de l'État, Dédi Jeannette, originaire de Djoum dans la région du Sud Cameroun et aînée d'une fratrie de 7 enfants. Coco Argenta a été mordu par le virus très jeune. Au cours d'un jour, j'ai constaté que tout son corps était dans... elle voulait chanter. Mes parents étant chrétiens, comme je dis toujours, m'ont inscrit à la chorale à l'âge de 6 ans pour apprendre à chanter. Vous savez, chez les chrétiens, chez les croyants, on dit toujours chanter, louer Dieu en chanson, c'est prier deux fois. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai continué dans la musique jusqu'en classe de 6e où j'ai formé mon premier groupe qu'on appelait les Feeling Girls. Et à l'époque, on faisait du R&B. Mariée et mère de deux enfants, la valeureuse lionne indomptable du Bikouti ne perd pas de vue sa mission malgré les turbulences que traverse la musique camerounaise. J'ai été éduquée dans la religion chrétienne et je sais que sur cette terre, chacun a sa place. Donc personne ne peut prendre la place de l'autre. Et je pense tout simplement que une seule personne ne peut pas satisfaire tout au monde. Là, je suis au Cameroun, les autres sont en Europe, d'autres sont en Afrique. Nous faisons tous un. Ce que nous faisons, c'est valoriser, je veux dire, la culture camerounaise avant, parce que je dis toujours, mon cordon ombilical, il est enterré au Cameroun. Je suis camerounaise, je suis fière de l'être. Maintenant, j'appartiens au monde, mais je sais d'où je viens. Nous avons reçu, j'ai eu tellement de difficultés entre les commérages, les petits chantages, les petites bribes. Pour moi, ce sont des bribes inutiles parce que je n'ai pas oublié mon objectif. C'est de porter le vert ou jaune encore plus loin. Je vous dis, chaque jour est un nouveau combat. Et chaque jour pour moi, c'est un nouveau challenge. Je pense que je ne suis même pas encore sortie parce que j'ai encore tellement de choses à prouver, tellement de choses à corriger. Je suis moi et mon émoi connaît mes limites, ma valeur, mes capacités et j'essaye au quotidien de me surpasser chaque jour. Je pense que je ne m'en sors pas encore. Je suis en train de travailler pour m'en sortir. C'est à comprendre que si croire est la première audace pour atteindre nos rêves, l'entrepreneuriat, la persévérance et la patience sont les clés. Car nous ne changerons jamais nos vies
si nous ne changeons pas quelque chose chaque jour. Magnifique parcours que nous venons de découvrir de Coco Argenté, c'est quand même assez fort. Hein? Un parcours argenté. Un parcours argenté. Un parcours argenté. Mais est-ce que quand tu étais toute petite, tu sentais déjà cette âme-là en toi ou... Bien sûr, bien sûr. Quand j'étais toute petite, sans vous mentir, hein, déjà je fabriquais les micros avec les filons de papayer. Vous voyez, les où on souffle souvent. Oui. Quand on disait... fabriquer quelque chose, amusez-vous. Moi, je fabriquais toujours mon micro. Hein. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui, moi-même. Et je faisais semblant de chanter. Je chantais n'importe quoi, mais je chantais quand même. Peut-être que quand tu es des enfants, ils lancent un cri. Ça, c'est le ah. Quand tu as dû faire le je fais quoi ici dehors. Peut-être qu'on ne sait pas. Que... Mais est-ce que dans votre tête, étant petite, il n'y avait que la musique qui passait. Il n'y avait pas un autre métier qui passait, soit disons peut-être être avocate, médecin. Sincèrement, pendant mes études, parce que j'ai fait des études de littérature, moi j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Ah. Alors, mes parents m'avaient promis qu'après le baccalauréat, ils m'ont viré en Europe. Hein. Bon, ils m'ont d'abord dit après le BPC. Donc j'ai eu le BPC, je n'ai rien vu. Après, ils m'ont dit après le probatoire, j'ai eu le probatoire, je n'ai rien vu. Mm-hmm. Après le bac, bon, comme je n'étais pas sûre qu'ils allaient réaliser leur rêve, moi j'ai choisi la musico. T'as dit, tu n'étais pas sûre, tu as fait ton choix. Ben ouais, ça c'est clair. Where did the passion for music come from? Please, excuse me. Uh-huh. Can you repeat your question? Oh. This will be a great admission. Yes. Yes. I can see that. Yes. But I can also see that some of us will be just boom. Non, on vient du Cameroun, made of Cameroun. D'abord. Elle est des États-Unis, donc. Made of Cameroun aussi. Yes. So, being so small, you love music already. Where did the passion for music come from? I will speak in French. Whatever you want. Okay. Yeah. I will explain in French. Ça sonne. Yes. Okay. I will explain in French. I understand your question. J'ai juste envie de dire que la passion de la musique arrive parce qu'à l'époque, mon papa d'abord, on l'appelait à l'époque Johnny Black. Ah. Voilà, mon papa Johnny Black, il interprétait quand il était au collège, à l'époque, hein, à leur époque. Mm-hmm. Donc il adorait tellement la musique et je vous promets qu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, chaque fois que mon papa était à la maison, les rares fois où il était à la maison parce qu'il était cheminot et les cheminots, ils ont des programmes où parfois toute la semaine, on ne les voit pas. Oui. Alors, à la maison, c'était toujours la musique de Johnny Hallyday, la musique de Bendeka, la musique des accompagnés créoles. Ça veut dire qu'à cet âge même, il m'apportait des cassettes des accompagnés créoles. D'accord. Et je peux vous dire qu'à l'âge de 10 ans, je connaissais déjà chanter presque toutes les chansons du répertoire de l'accompagné créole, si je peux dire. Voilà, et j'ai grandi avec ça, d'accord, et avec la chorale et tout le reste, et puis bon. Non, c'est dans le sang, en réalité. C'est dans les veines. C'est dans les veines. Et comment ça se passait à l'école et puis la tête dans la musique? Ah ouais. Sans vous mentir, à l'école, ça allait très très bien. J'aimais l'école, hein. Mais c'est vrai que parfois, il fallait que mes parents me poussent énormément. Mais chaque fois qu'il y avait des kermesses, moi, j'allais toujours postuler hein, parce que c'est moi qui devais représenter mon établissement. Oui. Et j'ai toujours eu la chance, que ce soit à l'Institut Victor Hugo, où j'ai fréquenté de la 6e en seconde. À l'Institut Victor Hugo, je me suis fait remarquer, puisqu'aujourd'hui, quand je repars pour dire bonjour au prof, ou à M. Belloken, le fils qui est maintenant le patron de l'entreprise de l'Institut Victor Hugo, tout le monde reconnaît. Ah, toi, on savait, tout le monde savait. Bah, moi-même, je savais. Ah ouais? Non, parfois, il dit ça, c'est la Tarakou. Il dit, ah, carrément. À quelle occasion avez-vous chanté pour la première fois? Vous avez chanté pour la première fois? Waouh! Je vais vous dire la vérité, ce n'était pas une chanson, mais c'était une fable. Ah ouais? Ouais. C'était pas La Fontaine. J'avais 11 ans et j'étais en balmaillot. Alors,
je devais réciter, on était, à l'époque, on était 12 élèves, il fallait choisir un. Ouais. Sans vous mentir, moi, je ne connaissais pas du tout ma récitation. Mm-hmm. Il y avait des autres qui connaissaient la récitation. Donc, ça veut dire quand le directeur vient dans une classe, on cherche aussi un élève qui va représenter. On dit oui. toi. Bon, on vous a donné une semaine pour apprendre cette récitation-là, cette fable-là, pardon. Montrez-nous. Je gratte ma tête. Monsieur, moi, je n'ai pas appris. Hein. Alors, tous les autres qui avait appris, franchement, il a récité tellement bien. Le directeur me dit, toi, tu vas apprendre cette fable et c'est toi qui vas représenter l'établissement pour rien. Je vous assure, pour rien. Alors, il me donne 2 jours. 2 jours après, il fallait aller représenter l'établissement parmi autant d'établissements aussi. Mm-hmm. On était 4 établissements à l'époque et moi, je devais réciter une fable. Mm-hmm. La fourmi, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette fable dans ma tête. Oui. Une fourmi de 18 ans, mm-hmm. avec 1m70, ouais. ça n'existe pas. Une fourmi parlant français et anglais, parlant latin et javanais, parlant petit et fulfulde, ça n'existe pas. Mais pourquoi pas? Il suffit de l'écouter, Robert Desnos. En même temps, ce que tu viens de nous faire, une semaine, tu n'as pas retenu. Vous savez, à l'époque, j'avais la tête complètement ailleurs. À l'époque, j'avais 11 ans. Donc, entre mon cours de sciences que je devais retenir, les dictées que je devais étudier et les calculs, okay. Il fallait encore enregistrer ces deux phrases-là. Ce n'était pas facile. Mais facile. Le plus difficile, Yolande, en fait, c'est de faire cette fable pour la première fois. Devant, on avait plus de 1000 personnes. Ouais. Je vais vous dire la vérité parce que là, je viens de tricher. Mm-hmm. C'est quand j'arrive devant les gens, tout le monde fait. Je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la version authentique. Mm-hmm. La fourmi. C'est bon. Applaudissez pour la fourmi. Mais moi je vous comprends pas. Quelqu'un récite ça ne sort pas. Vous n'applaudissez pas pour moi. Alors, écoute, je n'ai pas terminé. Oui. Alors le directeur qui m'avait choisi était dans le, sur le près des rideaux rouges. Il dit Fumi. J'ai dit. Cette fois-là, je n'ai pas terminé cette fable-là, mais c'était la première fois. Il y avait une deuxième sélection où vraiment il m'a dit tu allais me souiller en public. Mais j'ai réappris. Et la deuxième fois, c'est passé tout seul. Voilà. Ouais. En tout cas, non, moi tu m'en connais, c'est bien. C'est parfait. Mais maintenant, je suppose, Coco, que entre tous les voyages que tu fais, ouais. Tout ton boulot et tout ça, tu dois suivre un régime alimentaire. Quand même. Je vous assure que ça dépend. Moi, j'aime la nourriture. Est-ce que tu manges le sangha? J'adore le sangha. Moi-même, quand je m'énerve là, dans la cuisine là, mm-hmm. le blanc là mange ça. Ah! Il mange ça avec du sucre ou bien? Avec du sucre, bien sûr. Avec du sucre. Ouais. Non, mais je veux savoir. À manger, ne dis pas. Mais Coco, c'est quoi ça? Mais. Ils connaissent le maïs chez eux, hein. Ils connaissent oui. le maïs, donc ils goûtent d'abord le maïs. Maintenant, ouais. on prend le zoom, parce qu'on fait avec le zoom. Oui, tout à fait. Et que maintenant, tu vas goûter ça. Et goûte. C'est vrai que c'est. J'ai dit, tu manges. Tu as choisi le Cameroun, alors je te colonise, tu vas manger. Tu vas manger ça. Voilà. Allez, on va découvrir ce magnifique et délicieux mets du Cameroun, le sangha. Moi-même, j'adore ce sangha. Et les amis, on se retrouve sur le côté. Connaissez-vous la morale noire? Je n'ai aucune idée de ça. Aucune idée. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas.
Et le Zoom alors? Non, même le Zoom là que tu dis là, je ne connais pas. C'est un produit pour protéger les murs, pour faire étancheté contre les murs. Ah bon? En attendant que le Zoom devienne peinture, nous vous invitons à préparer avec nous un des mets les plus prisés au Cameroun et dont la paternité est attribuée à la région du Sud. Le Sanga. Fait à base de Zoom, encore appelé feuille d'aubergine ou morelle noire, le Sanga est un mets traditionnel typiquement camerounais qui a traversé les frontières. Ingrédients principaux, des feuilles d'aubergine, du maïs frais en épi, des noix de palme, des aubergines, puis une écorce appelée l'om pour parfumer le tout. Après avoir détaché les feuilles de zom de leurs tiges, les découper finement et les laver abondamment, les mettre dans une marmite et les faire revenir à feu doux, et en y ajoutant après ébullition du maïs frais préalablement égrené et lavé. Une astuce quand même. Il faut mettre les légumes en bas. Donc avant le maïs. On met d'abord les légumes avant. Ça veut dire là, comme ça, on a commencé à cuisson. On met d'abord les légumes en dessous. Oui, en dessous. Et puis le maïs en haut, parce que le maïs a l'amidon. Parce que si tu le mets en bas, il va brûler. Il va brûler et c'est pas bon. Les aubergines auraient un rôle très important. Elle nettoie les reins aussi. Donc c'est un peu le rôle des aubergines. Dans le sanga. Les vertus du sanga, beaucoup plus pour les diabétiques. Ouais. Ça permet qu'ils enlèvent un peu plus de sucre dans le corps. Mmh. Oui, parce que quand un diabétique mange le sanga, il se nettoie un peu le sucre dans son corps. C'est un peu ça les vertus du sanga. Et puis les gens qui font les régimes aussi, c'est très bon. Ça donne le sang. Mais ça vous fait aussi garder une certaine ligne. Pour les personnes qui veulent faire garder une certaine ligne. C'est un peu ça, les bienfaits du sanga. Pendant que notre zom, maïs et aubergine mijotent, passons à l'extraction du jus de noix de palme, encore appelé sauce graine, qui se fait en deux temps. Dans un mortier, pilez les noix préalablement lavées et cuites, puis procédez à la première extraction de jus qui doit être épais et qui servira en fin de cuisson. Versez le jus plus léger issu de la deuxième extraction dans la marmite et laissez cuire jusqu'à tarissement de l'eau. Puis ajoutez enfin le jus issu de la première extraction qui va donner au sanga de l'épaisseur. L'écorce l'homme qui est à l'origine du parfum qu'on lui connaît, laissez cuire jusqu'à disparition de la mousse. Voilà, nos papilles gustatives et olfactives ont de quoi se régaler avec du sucre ou sans sucre, à chacun son délire. L'équipe de Catapulte a déposé ses caméras une fois de plus au cœur d'une région. Vous présentez comme si la cuisson du sanga. Eh bien, moi, il a fallu que je sois à l'œuvre. Je suis en train de goûter justement pour attester que ce sanga est fait vraiment de façon bio. Allez, bon appétit à vous et bonne soirée sur la télé. Portez-vous bien. Les amis, si vous nous rejoignez,
accompagné à l'instant. Nous sommes avec Coco Argenté qui s'est récité la fourmi et qui est en train de partager avec nous son expérience. Ça, c'est du sangha qu'on vient de découvrir, madame, parce que c'est succulent. Moi, je ne sais pas si vous connaissez faire ça. Oui. Vous savez le faire? Queen ne sait pas ça. Ça a vérifié. Parce que trouver l'ozome en anglais, c'est difficile. Hein. C'est quoi l'ozome? Le zoom, ce sont les feuilles que tu as là, on utilise pour faire le sangha. Toi, tu fais avec quoi? Avec le folon, c'est pas le folon. Avec du folon? Oui, il y a des gens qui font ça avec du folon. Non, toi, tu fais avec quoi? Moi. Non, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Mais je pense que pour réussir ça, il faut quand même avoir une très bonne technique. Si on utilise des noix. Sauf que moi, je triche, je fais avec lui. Avec de l'huile. Ça, c'est le raccourci. Avec l'huile rouge. Ça a quel goût? Parce que. L'huile rouge à elle seule a une odeur. Je ne comprends pas comment. Oui, oui, l'huile rouge à elle seule. Les noix. On fait avec des noix, avec l'huile rouge, vraiment. C'est le croquis que tu veux faire. Toi, tu fais ça avec quoi? Avec des noix ou avec des noix de panne. Hein. Avec des noix de panne. Des noix de panne, oui. Donc, je pile carrément moi-même avec le pilon et le morceau. Ah ouais, Ah oui. Moi j'adore le sangha. Non, mais dis pas, tu adores, toi tu fais avec quoi? Pourquoi elle pile, toi tu Elle fait sûrement comme Dominique, elle est rouge. Quand Coco a fini de piler et tout ça, c'est cuit, je mange. Je mange comme tout le monde. N'est-ce pas? Non, mais en même temps, c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom? Pourquoi, Jean-Pierre? La vérité, c'est que c'est un hasard. À l'époque, quand j'étais au cabaret N'Djamena, donc au Carnivore, c'est l'un des plus grands cabarets réputés en N'Djamena où j'ai beaucoup appris, vraiment. Par hasard, un jour, je me suis habillée en argenté, c'était un jeudi. Et je m'appelle Coco, donc mon diminutif, je m'appelle Corinne, c'est mon prénom. Mes amis, ma famille m'appellent Coco. Alors, on m'appelle maintenant, nous allons inviter Coco, le monsieur a constaté que j'étais en argenté. Coco, argenté. Par hasard, il m'a donné mon nom d'artiste, et ça sourit, tout le monde a souri, waouh, elle est en argenté. Je me suis dit, plus tard, quand je serai artiste, parce que moi je savais que je serai artiste tôt ou tard. Alors je me suis dit, un jour, je prendrai tout simplement ce nom. C'est vrai, ça c'est vrai. But, Coco, how long does it take for you to produce one music, like for music to get ready for market? How many times? Like how long, yeah. Like how long? Stages involved, yeah. Sincèrement, combien de temps ça peut prendre pour produire un album, c'est la question. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est moi, je prends beaucoup de temps. Mm-hmm. Ça veut dire, par exemple, pour l'album Trésor, le deuxième album, nous avons pris un an et demi de travail d'enregistrement en studio. Et nous avons travaillé en backstage pendant 6 mois avec l'équipe, mes danseurs, mon chorégraphe, mes stylistes. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que avec mes stylistes, j'ai Clap Style et Soulman qui sont mes stylistes. Je suis très très exigeante et eux ils sont perfectionnistes. Si Clap je peux Style. Dire. Quand je fais mes dessins, moi-même je sais ce que je veux dans ma tête. Mm-hmm. Je fais mes dessins, parfois avec mes danseurs, on se dit bon voilà les propositions que j'ai. Je travaille avec tout le monde. Tout le monde est acteur dans mon travail. Donc je ne monopolise pas le travail. Je donne la possibilité. Oui, je peux dire un an et demi. Un an et demi. Oui. Mais je me dis un an et demi, c'est pas beau, c'est pas assez pour avoir 13 ans. 13 ans, tout le monde dit un an et demi. Un an et demi, c'est trop court, hein. C'est peu quand même. Donc. Ah ouais. Toi, tu ferais combien, combien de temps? 5 ans. 5 ans. Seulement 5 ans. Bon, c'est aussi vrai parce qu'on a remarqué que pour pouvoir faire un truc qui cartonne, faut pas se lever un matin, tu appelles tes frères et sœurs, tu dis, c'est vous ici là-bas, je vais chanter, vous allez danser. C'est vrai quand même. Ce que je voudrais dire en fait, c'est un an et demi, c'est juste l'enregistrement en studio. Ça veut dire que les chansons sont déjà, moi je compose mes chansons moi-même. L'inspiration vient comme ça vient, ça sort. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, dans l'album Trésor, vous allez trouver les chansons que j'ai écrites. Mm-hmm. Il y a de cela 6-7 ans qui sont là, qui sont qui figurent. J'ai même des chansons qui viendront au troisième album que j'ai composé il y a de cela 7 ans, par exemple. Donc,
pour le studio seulement, ayant déjà mes chansons que j'ai choisies avec mon arrangeur qui est mon tonton Angelbert Bomba. Mm-hmm. Lui, il est très, très, très découragé là. Mais en fait, je crois qu'il voulait en fait que tu donnes plus. Et je pense que c'est ça le résultat. Oui. Donc, un an et demi, je vais te dire, d'enregistrement et de réalisation vidéographique avec mon équipe, quoi. Bon, mais Coco, deux albums à succès en très peu de temps. Quel est votre secret? Deux albums à succès en très peu de temps. Je ne vais pas dire très peu de temps parce que maintenant, on est en train de consommer l'album Trésor, mais je vous assure que mes fans me mettent déjà le feu aux fesses pour on veut la suite. Ah. Je leur ai demandé d'attendre. Il ne faut pas courir. Mm-hmm. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que le public en redemande. Mm-hmm. Et à un moment, on appartient au public, on ne s'appartient plus. Ouais. Donc, on doit toujours satisfaire les personnes qui nous font confiance. Je pense que le succès que je peux confirmer aujourd'hui, c'est d'abord la réflexion, le travail, l'originalité et la confiance en soi. C'est très important. Wow, et maintenant, nous avons les médias aussi, parce qu'il faut reconnaître, parce que à nous seuls, on peut bien écrire des chansons et ne pas avoir vraiment le soutien des médias qui croient en notre art. Ouais. Nous avons des soutiens. Et moi, j'insiste parce que mon succès vient des médias nationaux. Ça veut dire que mon succès vient du Cameroun. Ouais. Je dis toujours, mon cordon ombilical, il est enterré au Cameroun. Je n'oublie jamais d'où je viens. Ce sont les médias du Cameroun qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que vous avez constaté à l'international, les chaînes, ils m'ont bloqué, même ils savent pourquoi. On a toujours besoin du soutien des siens. Oui. Bon, mais est-ce que de temps en temps, il ne vous arrive pas d'aller boire peut-être les fétiches ou d'aller se laver? Et tu te laves. Quand ça va pour rentrer trop village, on dit on va se laver. Non, c'est pas ce temps-là. On dit tu vas te laver au village. Tu vas te laver au village. Sans regarder derrière. Je vais être très très honnête avec vous. Oui. Je suis née d'une famille chrétienne, croyante. Mm-hmm. Je suis quelqu'un qui croit en elle-même. Je crois en ce que je fais. Oui. Je suis très méticuleuse, très exigeante. Mm-hmm. En ce qui concerne mon travail, mon papa est ancien d'église. Il croit en Dieu. Ma maman était témoin de Jéhovah. Elle était très, très, très dans la Bible et tout. Non, les gens la connaissent, la Bible. je le dis. Oui. Je n'ai pas d'appréhension. Je suis chrétienne. Je crois en moi. Je n'ai pas besoin d'aller ajouter quelque chose ou enlever. Parce qu'en allant même dit qu'on ajoute, on va même enlever même ce que c'est. Déjà. Et les miens, qui sont chrétiens, m'ont donné l'interdiction de toucher à quoi que ce soit. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand on est artiste et qu'on brille, les gens pensent toujours que c'est parce qu'on est allé toucher. Non, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans, j'ai fait des chorales, j'ai fait des cabarets, j'ai côtoyé les plus grands groupes de musique internationaux qui m'ont enseigné l'art, la culture. Et je pense que je n'ai pas encore présenté au Cameroun tout ce que je suis capable de faire. Il y a encore à voir. Donc, je n'ai pas besoin d'aller tremper mes mains ou quoi. C'est Dieu qui m'a donné ça, un job comme ça. Allez, voilà. Parce qu'elle n'a pas débarqué, elle a quand même un peu voir. On comprend, okay. C'était la maison de la prière plus elle plus. A voir. La maison de la prière plus plus. Oui, Coco, on regarde les thématiques que vous abordez dans vos albums. Oui. Dans quel registre vous classeriez-vous, moraliste, féministe ou éducatrice? Ce que je voudrais dire, c'est que je suis une artiste. Mm-hmm. Et une artiste, normalement, ne doit pas se classer dans un registre. Parce qu'une artiste appartient à tous les registres. Donc, je préfère dire que je suis une artiste. J'aime l'art et je peux toucher à tout. Mais ne soyez pas surprise que demain je me mette à rapper. Hein. C'est ça. Mais est-ce que Coco, quand on écoute les paroles de tes chansons, oui. certaines chansons, oui. Beaucoup, certaines personnes trouvent que c'est aller un petit peu loin. Oui. Peut-être perverse, voilà, des choses comme ça. Mais est-ce que tu ne te mets pas plutôt, c'est pas une façon à toi de passer le message différemment? Parce que quand par exemple, on a un enfant peut-être qui chante tout à l'heure, on fallait a fait le fallait faire un peu, fallait faire un peu et tout ça. Est-ce que ça ne te joue pas des tours de phrase? Bon, j'adore la question, Yolande, et j'adore aborder ce thème et ce sujet-là. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis d'abord une littéraire. Oui. Donc, une littéraire doit laisser les personnes sans réponse. C'est ça qu'on appelle la littérature. C'est ça qu'on appelle l'écriture. Je joue avec les mots. Oui. Et je pense que même en littérature, quand on vous donne un sujet, chacun tire sa propre conclusion. Oui. Mais c'est moi qui suis la prise de mon art, je sais de quoi je parle. Donc ça veut dire, j'ai dit, il fallait faire un peu, il fallait faire quoi. D'autres.
J'ai envie de... Wang, 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 c'est où? Dans quel dictionnaire? Ça veut dire... C'est mon dictionnaire. Ça veut dire quand je dors, je me réveille, je dis aujourd'hui là, j'ai envie de chanter splash, splash, splash. Vous avez dit que splash, ça veut dire quoi? Ce sont mes mots, tout simplement. Donc je voudrais tout simplement que même des personnes qui pensent peut-être que j'exagère, nous sommes dans une société où il y a même des thèmes que les parents ne veulent pas aborder et je pense qu'il est temps que les parents abordent ces sujets-là. Voilà. Dans la mesure où moi, je dis toujours, hein, j'ai un premier fils que j'ai eu à 18 ans. Henri, il vit en Belgique. Ouais. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne savais pas qu'il faut prendre la pilule. Ma maman ne m'a jamais enseigné ça. Mm-hmm. Je ne savais pas qu'il faut utiliser un préservatif. Mm-hmm. Je ne savais pas qu'il y a même un préservatif féminin qui existe. Juste m'aller comme ça, waouh. C'est un truc. C'est le bébé qui a entré parce que ça aurait pu être des maladies. Par exemple, donc il est important que les parents parlent. Voilà, c'est le bébé qui est entré. Les mots qui comprennent, hein. Oui, les mots qui vont même entendre dehors, c'est ça aussi. Voilà. Et laissez-moi même, je veux être honnête avec vous. Moi, je vais vous dire, c'est à 6 mois que mes parents ont su que j'étais enceinte d'Henri Philippe. Comme tu as su à quel âge? J'ai su quand j'avais 5 mois. Comme tu as su. Quand j'étais à 5 mois de grossesse, c'est là où je ne savais même pas. Non, je vous dis la vérité, je ne savais pas. Je savais que j'avais sommeil et j'avais faim. C'est la vérité. Oui. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que mon fils, c'est un ange, il est très mignon. Ouais. Les parents, je vous invite à aborder des sujets que vous trouvez tabous avec les jeunes enfants. Pour les éduquer sexuellement afin qu'ils évitent les maladies sexuellement transmissibles. Le VIH-Sida qui sévit. Mm-hmm. Et d'abord, on a même d'abord l'hépatite C qui est plus violent que le VIH et les grossesses précoces. Par exemple, ça, c'est ce que je pense en tant que mère, en tant que femme. Voilà. En réalité, vous pouvez terminer les phrases de Coco comme vous voulez, mais elle a son dictionnaire. C'est à chacun d'en faire ce qu'il veut. Donc, ne pensez donc pas que ça a une connotation essentiellement sexuelle. Exactement. Voilà, donc c'est à chacun de tirer le meilleur. Et Coco, parlons de votre album. Vous créez un nouveau rythme musical, le Bikout Skin. Hein? Bikout Skin, oui. Voilà. C'est quoi Bikout Skin? Vous savez, généralement, quand je compose, je cherche un peu quelque chose de particulier, ça veut dire quelque chose qui n'existe pas. Mm-hmm. Le Bikout Skin, vous savez, papa Tal André Marie, c'est mon papa, je l'adore, c'est un homme comme ça. Ah, oui. Et je te fais un coucou, papa Tal André. Papa, t'as l'endroit de faire nous-mêmes. On te fait un gros coucou aussi. Hein. Vous savez, à l'époque, quand on allait en boîte, là, avec le quand le patin dort un peu. Oui. Quelque. Nous tous, on aimait. Chambre numéro 1. Chambre privée. Chambre numéro 2. Chambre passée. Chambre numéro 3. Chambre passée. C'est-à-dire, quand papa, t'as l'endroit, il commence. Aïla, aïla, merde. C'est un monsieur que j'ai adoré, il m'a fait danser. Alors, quand j'ai commencé à composer, pour rendre hommage d'abord à Papa Tala, c'est pour ça que je l'ai choisi, lui. J'ai dit, je dois faire un featuring avec Papa Tala André Marie, quoique, il faut que je fasse quelque chose avec lui. Ouais. Maintenant, pour ne pas quitter du Bikoutsi, je me suis dit, ensemble, nous allons créer quelque chose d'unique qui n'existait pas, qui restera dans l'histoire du Cameroun. Génial, merci. Et j'ai intitulé moi-même, avec Angébé Bouba, qui est mon tonton, l'a dit, comme il y a un peu de Ben Sikin, et que le Bikoutsi aussi prévaut, on va dire Bikout Skin, tout simplement. Ah, génial. Ça va, c'est tout. En tout cas, je pense que s'il y avait cette solidarité entre les générations d'abord et les artistes même de la même génération et de l'ancienne, je pense qu'on serait très loin, c'est très important. Bien ça. Sûr, bien sûr. Et papa André Marie Tala, est-ce qu'il fait aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé sa chanson. Ça continue de passer d'ailleurs. Je vais à Yaoundé. Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé. Yaoundé, la capitale. Parmi filles, on est. Je vais chercher là-bas une vie meilleure. Voilà! Allez! Ouais. Moi, je me demandais avec ça, et je connaissais de lui. Donc, juste, je dis bravo à lui. C'est quoi? C'était un acapella, c'était quoi? On a pas fait le featuring. C'était pas le featuring. Mais pour ce quoi, toi? On fait une petite pause, les
amis. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. C'est un foutant 8 minutes. MJ, nous sommes où? Bonjour. Et allô, on lance. Va-t'en. C'est ça, notre secret. Honda, very good. Honda, spaghetti pur, c'est moule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Avec Coco Argenté, on espère que vous tirez le meilleur de ce qu'elle dit parce que c'est très important ce qu'elle dit là. Tout à fait d'accord. Oui. Avec quoi? C'est la personnalité. On va passer à. On a testé pour vous. Tu sais, l'équipe, beaucoup de gens pensent que ton métier est facile. Oui. Et aujourd'hui, on va voir cette équipe qui va tester ton métier. Donc, chacun va y aller et tu auras à donner une note. Mais pendant que le petit jingle que nous allons prendre va passer, on va faire venir ici Pat Even qui va aussi nous permettre de décrypter ton magnifique look de chaussures rouges et vertes. Ça, on va le savoir. Allez, on prend le jingle et on a testé pour vous. On se retrouve juste à côté, les amis. Hein. Comme les kanya, c'est-à-dire qu'à la régie là-bas c'est un peu compliqué. Les gars, tu sais pas trop. Pas tes veines, ça va? Ça va, yo. Mets-toi un peu là-bas. Nice. Ça, c'est quel look ça? Vous dites quoi? Eddie Kenzo, Eddie Kenzo. Non, viens-toi, ça va. Bon, voilà, on a testé pour vous, les amis. L'équipe qui teste le métier de l'invité. On commence par qui, rapidement? Pour que Queen. Le public a dit Queen. C'est ta Queen. Donc... Coco, tu regardes bien parce qu'après, tu vas donner une note à chacun. Okay. Qu'est-ce qu'on a, Queen? I would like to ask a special favor from Coco. Let her sing for me. So I can dance. No, you have to speak. Uh-huh. Oh, I don't know how to sing. You have to sing, to dance, like a man. Okay, I'll just try maybe. Yeah. Pilot. That is English. Pilot.
faster. So yeah. Sing. Like so you can singing. Dance. I you can dance, just yeah. dance and dance. Ah, okay. Je vais être. Pilote, pilot. Yeah. Pilot. Je vais être pilot in English. Yeah. C'est moi qui ai chanté ça. Let's go. Non, elle est pilote. Ah, d'accord. One, two, three, go. Pilot. Pilot, pilot. Pilot, pilot, pilot. Baka, 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 Qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez, ça passe. Next, please. Renaud? Apprécié. Renaud? Apprécié. Voilà. Dis-moi, dis-moi, que veux-tu de moi? De moi, dis-moi, dis-moi, que veux-tu de moi? De moi, je ne sais pas. Pas les pep. Oui. C'est comment? Non, vas-y. Non, vas-y, vas-y, Renaud. J'ai oublié ce qu'il dit. Seulement parce qu'elle a dit. Mm-hmm. Au camp, au camp. Oui, au camp. On passe, on peut une fois. Hein. Voilà. Je veux être celui-là qui pourra te faire des bébés. Allez. Je veux être celui-là. Je veux être celui-là qui pourra te garder. Je veux être celui-là. Je veux être celui-là. Je veux être celui-là. Je veux être celui-là. On peut passer, on peut passer. Non, attends, attends.
passé tout à l'heure, mais je sens que Dominique racontait son histoire mal mauvaise ici là. Oui, oui. Oui, MG. Aucun n'est autorisé. Règlement de compte. Waouh. Jusqu'à là, il y a même le paille. Il y a le paille. Hey. Parce que on se calme un peu parce que en fait, on dit le Big Pouskin. Un Big Pouskin, c'est dans ce passe sans le chacha. Qui est Cameroun? Cameroun? Yep. Ouais. Voilà. C'est ça, non? Mais non, Goni, encore un doigt. Mais t'en fais mine, Cameroun, on est à d'un. Ma foi que Benadja d'amour et dada. Tu as voulu plus
Non, mais qu'est-ce qu'elle est là? Tu l'as déjà mariée. J'ai seulement dansé. Non, tu l'as tout passé. Coco, tu vas donc donner une note. On va commencer par Queen. Queen? Combien tu donnes à Queen sur 10? Franchement, sur 10, Queen, je lui donne 5,5. La moyenne, pourquoi? Il ne faut pas encourager la médiocrité. Elle n'en a pas. Il ne faut pas encourager. 5,5, oui. Parce qu'elle a eu le courage de se lever et de danser quand même devant le public. En anglais. Voilà, pilot. 5,5 pour Queen. Ouais. Renaud? Waouh! Oh, non, Renaud, franchement. Regarde, Waouh! Je sais pas quoi te dire, hein. Tu es célibataire? Ah! Hey! Mais dis quand même quelque chose, Coco, tu sais, mais dis quand même quelque chose. Si tu continues. Pourquoi tu veux me faire rougir? Si Renaud continue à danser comme ça. Tu vas trouver la femme de ta vie immédiatement. Hein. Ah ouais, hein? Mais bon, j'en parlerai à ma petite soeur. C'est-à-dire que... Évitez de me gâter le marché. Évitez de me gâter le marché. Non, comme tu as dit, petite soeur, là, c'est ça qui a cassé un peu son truc, quoi. Non, comment? Le gars était sûr que... Mais pourquoi il est marié? Donc, quoi? Si j'étais célibataire... Voilà. La façon dont tu as chanté, là, et dansé, merde. Ne va donc pas prier pour que ça se gâte, son mariage se gâte. Non, c'est un peu pas se gâter. Ça peut pas se gâter. Ouais, qu'est-ce que... Mais ça, on gâte les mariages déjà. Non, non, ne gâte pas les mariages. Ce n'est pas ouais. Bien. Ne gâtez pas les mariages déjà. Oui, Coco. Non, franchement, je te donne 8. 8 sur 10. Dominique? Comme Dominique est venu avec un bon, voilà. Ça veut dire que quand tu vas faire le bac, tu viens avec les banjos. On appelle ça les banjos. Voilà. Les cartouches. On t'a accordéon. Donc, pour le banjo, là, la chanson là nous a vraiment entraîné. Oui, mais ouais. Vraiment. Je te donne 4 thèmes, ma copine. Franchement, MG, je me suis levée pour MG parce que MG a d'abord, elle est d'abord en argenté. MG m'a rendu hommage. Et MG est venu avec son foulard traditionnel. MG a respecté le code. Sincèrement, je lui donne 10 sur 10. En réalité, Coco. Coco, vraiment, je sais pas. Le public va. Je sais pas. Je sais pas. MJ, je ne sais pas du tout. Mais Coco, lorsqu'on faisait le reportage, tu avais plutôt des cheveux jeunes. Maintenant, c'est rose, machin. Bien tout. Sûr. Voilà. Donc, on va regarder le look de. De Coco. De Coco. Ok, Coco, on a essayé de fouiller un peu dans ta vie et on a vu que tu changes beaucoup. Tu es un peu comme un caméléon. Ouais. Et là, on va commencer avec la première image. Voilà. Là, ce sont les tenues de scène qu'on a essayé de trouver. Tu peux un peu nous parler de ça? Ça, c'est Catch Me Woman. Vous savez, le chat. Surtout la première en rouge, là. En rouge? Je dis toujours que. C'est ta styliste qui fait ça? Oui, quelque part là. Ouais. La troisième, c'est ma styliste qui l'a fait. Clap Steel. Claps travaille très très bien et je vous la recommande d'ailleurs et Soulman également. C'est juste que, étant artiste, le public a besoin de me voir différente. J'ai le droit de faire rêver mes fans. Ouais. Et je pense que je dois toujours être sexy et belle pour mes fans parce que je leur appartiens. Oui. Donc, la tenue en rouge, c'est tout simplement parce que je voulais mettre mes formes en valeur. Mmh.
C'était réussi, hein. Et après, tu as pris le cadenas, tu as fermé les formes, là. Pour dire, oui, mais pour dire le dossier est scellé, les gars. Ah, regardez sans toucher, sans rêver. Ouais, mais le dossier, mais il faut rêver, on ne sait jamais. Peut-être qu'un Camerounais peut me ramener au Cameroun, on ne sait jamais. Ouais, c'est possible. Salut. Et oui, le Japon, on dirait une hôtesse de l'air. Ou pilote. Hôtesse de l'air, c'est tout simplement parce que je voyage énormément et je me suis inspirée. J'ai dit, bon, je vois souvent les hôtesses, elles sont très, 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 très sexy. Je me suis dit, mais un jour, je peux atterrir dans un spectacle en hôtesse de l'air. Qu'est-ce que ça peut faire? Et je vous assure que ce jour, ça fait waouh. Ah ouais? J'ai pas un look précis. Mm-hmm. J'aime être belle, j'aime être sexy. Ouais. Et ce qui me va... me va et je vais avec ce qui me va. D'accord. Voilà. Ça c'est très bien. Okay. Donc pareil pour la bleue. Oui, pareil pour la bleue. J'adore innover en fait. J'aime innover. Mm-hmm. J'aime avoir des choses différentes. J'aime pas que le public s'attende toujours à me voir comme ils espèrent dans leur tête. Je veux toujours être waouh pour mon public. Waouh. Voilà. D'accord. Ok, Kokoula, on était avec les tenues de scène et on va passer à la deuxième image. Deuxième image, la régie. Voilà, là ce sont les tenues de ville. Voilà. La première, tu es en Pocahontas avec une coiffure. En quoi? Pocahontas. Je suis sûr. Et une coiffure, on appelle beaucoup ça Lady Gaga, couleur verte. Donc, vous marchez comme ça dans la ville tous les jours? Bien sûr. Là, j'étais aux États-Unis, où je suis en vert là, et où je suis en casquette aussi. Là, j'étais en Atlanta, et là, j'étais à New York. Vous savez? Et là, j'étais en Belgique, où je suis en jeans. C'est tout simplement pour dire que quand tu arrives dans un pays, tu t'adaptes. Hein. Si on met... J'aime le style, j'aime le look, j'aime être belle, j'aime sexy, j'aime innover. J'aime faire ce que les gens ne font pas. Ouais. J'aime être moi, Coco, comme mon public aime. Il faut être unique. Voilà. Et en fait, maintenant, je m'appelle la Go Galaxy. Parce que... La Go Galaxy. Oui, parce que je pense que... Tu as dépassé les très fort. Oui, je devrais prendre un appartement dans des avions parce que j'habite même déjà dans l'avion. Alors, étant donné que je parcours le monde tout le temps, je suis maintenant la Go Galaxy. Voilà, pour le ça, c'est le nouveau séance coupe que vous avez, la Go Galaxy désormais. Ouais, je suis la femme Galaxy même. Non, déjà. Non, c'est clair ça. Voilà. Moi-même, je vois que c'est la Galaxy. Je m'adapte, parce que... je suis comme un caméléon qui s'adapte à toutes les couleurs. Je m'adapte au lieu, aux endroits, au moment où je m'y trouve. Ouais. Ça dépend d'où je vais. Là, j'allais dans un petit restaurant quelque part. Là, j'allais jouer avec Serge Benoît, Werason et Eddie Kenzo en brun. Alors, on a fait une petite sortie pour aller manger quelque part. Il faut que je suis camerounaise, hein, mais maintenant, il faut quand même qu'ils sachent que les Camerounaises aussi ont du style. Donc, en réalité, faut qu'on sache quand même que la Camerounaise. Et on a du style et du goût. Pour s'adapter, il faut savoir les moyens de sa politique. Donc, ça veut dire en quelque sorte que. Il y a quand même un peu de. Tu es le maïs, c'est quoi, argenté et riche? Non, c'est parce que j'ai dit. Ne me prêtez pas les biens, pas peur du titre. Tu as dit quoi? Il faut savoir les moyens de sa politique. Est-ce qu'elle finit ses phrases? Et pourquoi MJ va finir ses phrases? Voilà. C'est ça, oui. Next image. Ok, troisième image. Ouais. Voilà, Coco. On a remarqué que vous changez excessivement de coiffure. Et c'est pourquoi? Tout simplement parce que mon public ne doit pas me voir pareillement. C'est comme quand une femme est à la maison, elle doit séduire son mari. Eh oui! La femme ne doit pas toucher, le mari ne doit toujours pas venir te trouver en kabangondo. Parce qu'à la fin, il sera fatigué. Il y a parfois, quand il arrive, il trouve que tu as mis une mini-robe comme ça. Parfois, quand il vient, tu as une longue robe. Parfois, tu as le kaba. Parfois, il est content de te voir. Et donc, alors, il te retrouve, en réalité, il voit plein de filles dehors et il retrouve tout ça chez sa femme. Donc, lui, il ne peut plus aller dehors. Tu veux même quoi dehors? Ben, vous savez, les hommes sont quand même doc. Hein. Ah bon? Donc, je leur demande toujours qu'ils veulent quoi dehors. Là maintenant, c'est look, c'est Coco, c'est moi, c'est l'artiste qui appartient à son public. Et je pense que ça plaît à mes fans de découvrir, oh, on a un planning, Coco ira en Suisse, Coco ira en Italie. Bon, ils savent que quand je voyage, je fais toujours un coucou à mes fans que je suis à l'aéroport de tel. Je sais que quand ils se réveillent le matin, ils veulent aller voir ce que j'ai porté aujourd'hui.
Donc je pense que ça sera fatigant de me voir avec la même chose. C'est pas bon. Elle avait sa semaine. Pourquoi tu sais que moi j'ai fait le test avec la peine et quoi? Je ne sais pas. C'est le travail parce que j'ai pitié de toi, tu as dormi comme ça. En réalité, depuis que j'ai fait cette coiffure-là, je réfléchis depuis le matin. Comment est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ce n'est pas du tout facile de suivre ce loup. Mais c'est important d'être unique. Et si chacun était unique, faisait ressortir sa particularité, je pense que on irait très loin. Alors, oui, en tant que spécialiste de coiffure, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la coiffure de Yolande? Sincèrement, par rapport à la coiffure de Yolande, je le lui ai dit dans les loges tout à l'heure. Je lui ai dit, Yolande, tu as une très belle coiffure. Et je lui ai dit, Yolande, je te l'ai dit, je vais te piquer ce look-ci et puis je vais te payer les droits d'auteur pour ce look-ci. Oui. Avant de passer, dès qu'on paye les droits d'auteur, il faut penser à ceux qui ont donné l'inspiration. C'est pas une tâche facile, j'essaie de lui donner les astuces pour dormir. Mais je ne vous comprends pas. Quelqu'un a fait sa coiffure, ça vous sert. Quelqu'un a fait sa coiffure, vous avez mal à la tête. Je ne comprends pas, les Camerounais sont quand même bizarres. À mon avis, ce sont les droits d'auteur parce qu'ils veulent dire que ils tu ont entendu, c'est ça. Oui, c'est pas les droits de l'oreille. Là, vous avez lancé votre cahier d'oiseau à vue. Oui. Eh bien, c'est bon. Donc, pour le look de Coco, on va dire qu'elle est plutôt... La Go Galaxy. La Go Galaxy. Il y a quelqu'un qui a dit ici, on va dire que la Go Caméléon. J'aime bien ça aussi. La Go Caméléon. Oui. Ce qui me surprend, c'est que Coco voyage énormément. Mm-hmm. Et elle a des enfants, elle a une vie de famille. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Vous savez, c'est pas facile. Il y a les nounous, Non, c'est pas facile de voyager quand on a un mari et des enfants. Oui. Mais c'est bien que le mari accepte votre métier. C'est vrai que c'est pas évident aussi, hein, parce que c'est un homme. Il reste parfois 4 mois, il ne voit pas. Wow. Oui, ça c'est c'est tout simplement un choix. Oui. Et moi, je pense que chacun est sur terre pour réaliser son parcours et son rêve. Mm-hmm. Ça veut dire, le jour où je partirai, je saurai que j'ai réalisé mon rêve à fond. Mm-hmm. Moi, ce que je dis aux femmes, les femmes au foyer, hein, je suis désolée, il y a des gens qui vont trouver que je suis trop féministe. Non, vas-y. Par rapport à mon éducation, mm-hmm. par rapport à la société dans laquelle je vis bien dans toutes les sociétés, oui. d'ailleurs. Je pense que toutes les femmes doivent avoir une indépendance financière et une vie sociale épanouie. Une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Parce que dès que tu as 40 ans et trouve que tu es trop vieille, il va oui. prendre une fille de 20 ans. Et toi, tu vas regretter pourquoi tu t'es sacrifiée pour lui. Nous sommes sur terre, ici, chacun pour réaliser son rêve. C'est vrai que dans la vie, on se combine. Un couple se combine parce oui. qu'on doit faire les parcours ensemble. Mais... tu ne vas pas aider ta femme ou ton mari à réaliser son rêve pendant que toi, tu es à la maison pour garder les enfants. Dès que tu as 40 ans et que tu ne lui sers à rien, je vois les femmes généralement qui pleurent tout le temps que je me suis sacrifiée pour toi. Mm-hmm. L'homme prend le sac banjok, hein, il met dehors, il dit, moi je ne veux plus, moi j'ai dit que je ne veux plus, je te rends à ta famille. Pourquoi? Oui. Toi, tu t'es occupée de lui pendant 40 ans, oui. tu as fait à manger, tu lui as fait des enfants, tu as tout donné, mais les hommes sont ingrats. Mm-hmm. Alors ce que je voudrais dire aux femmes, moi, je veux... les hommes sont ingrats. Oui, oui, oui. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai. Mais maintenant, les femmes aussi bien sûr, ne doivent donc pas se laisser... on va dire quoi, emballer au point où c'est dit qu'elle dépend complètement des hommes. C'est pour ça, Yolande, que je dis, toutes les femmes doivent avoir une vie sociale. Ça veut oui. dire, moi je demande à toutes les femmes de se mettre en valeur. Mm-hmm. Ça veut dire, si tu as décidé de porter ton tissu pagne,
va chez un couturier. Il y a les couturiers de 1000 francs, 1500. Mm-hmm. Coupe ta tenue vraiment. Si tu as essayé de frire les beignets, maman, frire tes beignets étant sexy. Tu dois te sentir. Voilà. Fais le travail que tu aimes en mettant ton cœur, ton âme et ton esprit. Voilà. Maintenant, si un homme t'aime, il doit t'accompagner dans tes rêves. Il doit te suivre dans tes rêves et accepter tes rêves. Ça, c'est ma philosophie. Et Coco, on t'a vu aller exercer un métier. Il n'a rien à voir. Oups. Avec. Mais Yvan, s'il te plaît, avant, j'aimerais lui poser une question. Coco, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser votre physique pour pouvoir parvenir, votre beauté, votre physique pour pouvoir parvenir à vos fins? Je vais vous dire la vérité. Donc, signer un contrat, il faut séduire les gars. Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a des personnes qui ont voulu profiter, qui profitent de la femme et qui ne croient pas à ton talent. Ouais. Moi, j'avais arrêté de travailler. Moi, j'étais aide-soignante. En Europe, hein, je suis allée à l'école en Europe pour être aide-soignante. J'ai arrêté un moment pour me lancer dans la musique, mais il y a des personnes qui essayent de profiter de nous, les femmes. Oui. Mais si tu n'as pas un mental et que tu n'es pas sûr de toi, tu peux te retrouver en train de faire n'importe quoi. Une fois que je me suis rendu compte que ce milieu est tellement difficile, je vais vous dire la vérité, je suis repartie postuler dans un home pour travailler comme aide-soignante. Et les week-ends en Europe, il m'arrivait de prendre des week-ends où j'allais nettoyer des homes. Ça veut dire où les personnes âgées dorment. Moi, les week-ends, je disais, je vais arrondir mes fins de mois. Tout simplement, ce n'est pas parce que mon mari ne pouvait pas me donner cet argent. C'est parce que je voulais réussir de moi-même. J'avais l'ambition de réussir de moi-même pour que je ne... Vous savez, les hommes, à un moment, quand tu veux faire quelque chose, ils te disent, non, moi, je n'y crois pas, non, mes sous ne sortent pas et tout. Mais quand toi, tu crois à tes rêves, tu te donnes les moyens de ta politique. Il faut travailler, il faut croire à son travail. Il n'y a pas de saut métier, je le dis toujours, il y a des sauts de gens. Moi, Coco Argento, aujourd'hui, moi, j'ai nettoyé en Europe. Je suis désolée. Les gens vont me voir, oui, oui. J'ai eu des propositions de faire la prostitution. J'ai fait le choix de travailler à la sueur de mon front. Je ne voulais pas que mon mari me dise demain que oui, c'est grâce à moi. Oui, non, je ne donne pas aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Je voulais qu'ils comprennent que je suis capable de moi-même. Et il n'y a pas une honte à cela. De toutes les façons, Coco, tu allais exercer un métier qui n'a rien à voir avec ta profession habituelle. Donc, tu allais vendre au marché de Diemassi, vendeuse de plantains. On regarde ça un jour à Yacoubo Agenté. On se retrouve. Diemassi Yaoundé, au marché Acacia. Un après-midi où tout semble tranquille, jusqu'à ce que les wifos se produisent. Coco Argenté, notre vendeuse de tubercules, plantain, macabo et même cola, d'un jour, dans un accoutrement. Mais bon. Attends, Coco, c'est toujours pour vendre le plantain qu'il fallait mettre les formes en valeur et porter deux couleurs de chaussures. Hé, papa! J'adore manger le plantain d'abord pour commencer. Donc, quand je vends le plantain, je suis content de vendre ce que j'ai mangé. Voilà, comme ça, je valorise aussi les commerçantes, les bayamsela qui font bien les métiers pour nourrir leur famille. Donc, Asso, venez me tromper. Malas marqué. En tout cas, c'est à l'œuvre qu'on va te juger. Bon, c'est clair qu'avec ce look, tu risques de séduire tous les clients. Bon, passons au briefing. Ok, maman, ça se passe comment? Catégorie, voilà le cas de 200. 200. Oui, voici 500. Ok, 500. Là-bas, c'est la barrière. Ok. 500 francs. Ok. 500 francs. 500. 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
D'accord. On le vend si c'est 500. Ou c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. Voilà. Comme ça, d'accord. Si tu as bien compris, alors on poste. Venez tromper, oh, venez tromper la voie des ouais. Venez tromper la voie des ouais. Chez moi, la honte chante paye. C'est moins cher. Ce n'est pas cher, 200 seulement. Ok. Je descends là, je reviens. Ouais, à ce point maintenant une fois, non? D'accord. Paye ça, non? Ya, Coco. Le genre d'Atalakoussi. Les clients affluent seulement. D'accord, là, c'est 25. Il m'a accompagné comme si venait de connaître. Voilà, avec cette cola, on va où? En tout cas, no comment. On se calme, Coco, on se calme. Tu as envie de vendre du plantain. De vendre du plantain. Allez, viens que paye au refuser. Viens, viens, mon père, viens. Voilà, je viens payer au bout de refuser. Tu veux quoi? Voilà, la patate sur combien? 200 seulement. Okay. Emballe-moi deux tables. Deux tables, papa. Oui. Merci. Ta femme sera contente, c'est moins cher. La monnaie. Ok. Eh hey, ma mère, je n'aurai pas de bénéfices. Comment est la cola? Dans 1600, tu me rembourses 1600. S'il te plaît, ma mère. La cola de plastique. Venez me tromper, oh, balance ma gueule. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est compliqué, hein? Quand on a en face de soi une vraie vendeuse argentée qui ne donne pas le lait. Il fallait, excusez-moi, il fallait porter un cabas, Coco. Avec tout le nyanga là, tu distrais les clients. Mais Coco, tu te laisses dépasser par les clients là. Allez, allez, booste-toi! Les plantains argentés, oh, ce n'est pas cher. 500 les plantains argentés. Tu as la cola, tu as la patate, venez. Voilà, voilà Coco. On t'a bien dit de ne pas te sexiser. Voilà alors que la vente de plantains s'est transformée en une séance de shooting. Extra shooting, comprenez? Extra shooting. Pas mal, Lago. Là, tu nous impressionnes vraiment. Tu as le commerce dans la peau. Même les hommes qui n'aiment pas le marché se sont improvisés clients. La séduction est de taille, papa. Difficile de ne pas. De ne pas acheter. Après le plantain, ou c'est le concert, ou c'est le featuring, ou c'est... En tout cas, moment de communion magique avec le magnifique public. Très bien, Coco. Mais qu'en pense ton coach? Elle connaît vendre même plus que moi. Elle a vendu combien avant? Elle a vendu 3250. 3250 francs CFA en moins d'une heure. Moi,
c'était fabuleux, je veux dire. Là, je suis avec mes clients et mes fans. En plus, ils sont là, ça se passe très, très, très bien. Et c'est une très belle expérience. Je voudrais profiter pour encourager. On appelle généralement les balancelles. C'est grâce à elles qu'on peut trouver de la bonne nourriture au marché. C'est grâce à elles qu'on nourrit nos familles. Donc, je voudrais profiter pour dire beaucoup de courage à ma maman aujourd'hui. Bisous. Beaucoup de courage à ma maman et courage à toutes les femmes. Bye Amselam du Cameroun. Et c'est une très belle expérience. Je suis très content et je reviendrai. Pour être grand, hein, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Bravo Coco! Même les enfants ont suivi cette vendeuse exceptionnelle. Non, il y a d'abord un fait. Elle était hyper. Elle était flashy, comme on dit. Même si tu fermais les yeux comme ça. Avec les couleurs, elle avait mis du rose, oui. Du jaune. Du noir, donc elle ne pouvait pas passer inaperçue. Oui. Même si tu ne voulais pas, tu devais signer. Même si tu ne voulais pas le balancer le soir. J'ai vu un monsieur là, apparemment, il était assis dans un bar, il s'est retrouvé là avec sa bouteille de bière. Mais Coco, comment tu as vécu ça avec toutes ces dames-là qui, au quotidien, nous permettent de manger, de vivre? Franchement, pour moi, c'était une très très belle expérience d'aller au marché déjà, à Yaoundé, bien sûr, et me mettre dans la peau d'une Bayam Selam. Ouais. C'était une très belle expérience. Et je trouve que ces femmes se donnent énormément. Ça veut dire qu'elles passent des journées sous le soleil, sous la pluie, pour que nous, les clients, je veux dire, nous, les Camerounais, nous puissions retrouver des denrées alimentaires afin de nourrir nos familles. Ce sont des femmes qu'on doit respecter. Ouais. Ce n'est pas c'est évident. Oui, c'est un métier que nous devons vraiment saluer. Et moi, si je pouvais dire quelque chose, ce sont des femmes qui doivent même avoir une récompense toutes les fins de mois pour leur bravoure. Hein. Ah ouais. Pour leur bravoure. Les saisons qui pleuvent, oui. Qui fassent chaud, elles vont souvent dans des très loin. Oui, il faut aller dans les villages pour aller chercher. Et il faut être là à l'heure, sinon tu arrives, s'il n'y a plus rien. Oui, parce que c'est souvent à 4h du matin. Des fois, si tu te lèves, ceux qui se lèvent à 4h du matin, je ne crois pas vous, ou nous qui nous levons à 4h du matin, des fois tu les vois courir après. Oui. Comment on dit après le plantain, Betty là, hein? Derrière le peuple et tout ça, c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Des coins, des coins bien là. Voilà, exactement. Allez, on y va. Chez nous, c'est comme bien. Et puis on les vole en route. Oui, les routes ne sont pas bonnes. Après, il y a les augmentations de prix. Ah, oui. Et puis après, il y a les Awara. Awara, c'est-à-dire tous ces policiers qui arrivent et qui, ou les gens de la commune en général qui viennent les dégager et tout ça. Ce n'est pas du tout évident. Et vraiment, bravo à vous, nos mamans, Bayan Selam. Oui. Grand bravo. On a besoin de vous et vraiment tous nos encouragements. Ce n'est pas évident, on le sait. Donc, n'allez plus trop discuter quand même. Quand on dit le plantain, régime de plantain, 2000, il ne faut pas dire que j'ai 1000 femmes. Donc, il y a beaucoup de travail derrière et elles souffrent au quotidien pour nous. Moi, c'est ce que j'allais dire parce que. Il faut qu'on encourage ces femmes-là, encourageons ces mamans-là parce qu'elles se battent, elles se brûlent, elles brûlent leur énergie pour que nous mangions. Donc, ça, c'est. Bravo, il faut quand même applaudir pour elles. Ouais. Venez de dire là, hey. À provoquer le français au fond de mon cœur. Voilà. Avec toutes les astuces que vous avez avant, oui. on aimerait savoir si vous écoulez toutes vos amants. Applaudissez pour moi. Bien ça, Queen. Tu arrives à écouter tes albums, Coco? Écouter mes albums? Écouter. Sell out your album. Ah, à vendre tous mes albums? Tu arrives à...
Sincèrement, je vais vous dire oui. Et même à un certain moment, même on ne contrôle plus parce qu'il y a des pirates parfois qui s'occupent de ça. Oui. Je vous raconte une anecdote. Hein. Je suis allée à Montréal, j'avais un spectacle. Mm-hmm. Alors, on va dans un mall. Oui. Avec le chauffeur qui m'accompagnait, parce que je voulais aussi faire... Le mall, c'est un supermarché, oui. un grand supermarché, où, voilà, où tu trouves vraiment de tous les vêtements, les aliments, tout ce que tu veux. Alors, le monsieur m'accompagnait un peu dans les malls. Quand on arrive, je vous assure, il entre dans une... Enfin, chez eux, ils s'appellent discothèque. Discothèque, c'est où on vend les supports, oui. les CD. Il entre dans une discothèque, je vous assure, la contrefaçon de mon album au Canada à 10 $. Et il y avait moi, il y avait mon album, il y avait l'album de Charlotte oui. Dipanda. Oui. Mais je vous assure, je ne reconnais pas ces CD-là, je ne sais même pas comment ça fait pour arriver au Canada. Mais ils me vendent. Ils vendent ma musique au Canada à 10 $. C'est, je ne sais pas quelle entreprise qui est hors de l'entreprise que je connais, qui est maintenant CA Corporation. A eu l'aval de vendre mes supports à l'international. C'est... Mais tu n'as pas pris tout ça pour dire que c'est moi là, je ne connais pas. Je ne sais pas qui vous. Mais non, mais déjà quand tu arrives, tu ne t'y attends même pas. Oui, oui, c'est ça. Et tu arrives, tu trouves ton CD. Et ce n'est pas possible de retracer ce réseau-là. Ben, là, il faut trouver le FBI. Je ne sais pas s'ils ont le temps pour nous. Ah, ça, oh, bien. Ça c'est bien dit. Voilà. Ça, depuis la prof qui m'a. Il faut que je t'explique, hein. C'est-à-dire que les francophones là sont obligés de poser au moins une question en anglais et Queen qui a fait l'exploit de poser sa question en français. Oui, oui. Yes, MG. Attention. What are your relations with the other musicians? My relation? Yes. Ah, ok. With the other. Elle a des rapports, il n'ajoute pas. Bon, quelle est ma relation avec les autres artistes? Moi, je vais être honnête, hein. Mm-hmm. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans un monde capitaliste où il y a un certain leadership. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Et parfois, c'est très très difficile parce que certaines personnes préfèrent rester au top. Alors que ces personnes peuvent tirer celles qui sont en bas. Moi, les gens vont trouver que je suis une artiste retirée. Ce qui me sauve dans la culture, dans la musique, c'est parce que j'ai le talent. D'accord. Et c'est mon public qui me sauve parce que le public ne triche pas. Mm-hmm. Quand c'est bon, ils vous disent c'est bon. C'est bon. On ne force pas. Mm-hmm. Cela. Alors que je pense sincèrement que chacun a sa pierre à apporter pour bâtir et solidifier la culture et la musique camerounaise. Ouais. Je vais vous donner ces lettres de noblesse parce qu'on a beaucoup perdu en termes de. Chacun a sa particularité. Oui. Et on ne peut pas être partout au même moment. Exact. Ça veut dire là, je suis au Cameroun, je suis à Douala. Les autres sont à Yaoundé, les autres sont en France, d'autres sont en Amérique. Mais il y a toujours des petits trucs de clan inutiles. Oui, on est mieux avec si l'autre là m'a fait que l'autre là, c'est inutile. Oui. C'est ce que je pense. Et quand on a le talent et qu'on croit en son talent, on trouve que c'est inutile, c'est léger. D'accord. Et comment arrivez-vous donc à gérer les critiques à la fois du public et les on-dit de tout ce moment-là? Pourquoi ajouter face à ça? Comment réussir? Vous savez, j'ai tellement de choses à faire. Pour écouter les critiques, hein. Je n'ai pas le temps. Bravo. Je préfère faire les devoirs à mes enfants ou aller au cinéma avec mes enfants ou faire un petit voyage avec mes enfants quand je suis sur place en Belgique. Je n'ai pas, le temps d'écouter les critiques. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Voilà. Oui, j'ai pas l'attitude qu'il faut avoir. Oui. Je pense qu'il y a des critiques constructives. Ça, il faut faire la différence. Mais les critiques constructives, qu'on te les fasse. Fais ce qu'on vient de vendre et on dit écoute Coco, tu as fait ça comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que, mais pas quand tu tournes le dos, et puis quoi? Et le truc en fait, c'est que on va toujours, les gens vont toujours parler. Oui, c'est clair. Derrière notre dos. C'est vrai ce que MG dit est pertinent aussi. Ça veut dire, il y a les critiques qui sont constructives. Exact. Je considère les critiques constructives.
Mais les critiques négatives, oui, on dit que tu te prends la tête. Oui, on dit que... Je pense que je ne me suis jamais prise la tête, je suis moi-même. C'est des personnes qui ne me connaissent vraiment pas, qui vont penser par rapport à ce qu'on leur raconte, mm-hmm. que Coco se prend la tête. Je suis une artiste et j'ai le droit d'avoir une certaine attitude en ce qui concerne mon métier, pour que je respecte d'abord ma personne et mon métier, ouais. et pour que le public adhère, aime et que leur artiste me fasse rêver. Par rapport à tout ce qu'on raconte, il faut continuer de sourire, quoi qu'il arrive, parce que vous avez votre objectif. C'est ce qu'il faut faire, non? Voilà. Souris un peu, voir. Rien. Voilà. Donc, il faut être solidaire. Hein, oui, toujours solidaire. Oui, il faut, je pense que dans notre métier, à nous, il nous faut une collaboration sincère. Il faut que nous soyons solidaires. Parce que quand on voit, par exemple, les Nigériens aujourd'hui, quand on voit Don Jazzy, il produit Davido avant, après il produit le jeune qui chante « My God, we know, my God, we know, my God, we know ». Il les aide, il ouvre les portes. Mais chez nous, c'est toujours qu'elle a la grosse tête, il ne faut pas qu'elle passe bon, je n'ai pas envie de citer les chaînes, des autres chaînes, il ne faut pas qu'elle passe, il faut bloquer, parce que les autres veulent toujours que ce soit eux qu'on voit. Mais Coco, ce que tu ne sais pas peut-être, ou alors que ce que tu sais, c'est qu'en réalité, quand ils disent que ils bloquent ici pour qu'elle ne passe pas, c'est pas pour qu'eux-mêmes ils passent. C'est que viens, on va saisir la voix, tu peux avancer. Ah les amis, non, ne prenez pas ça, en compte quand vous voulez atteindre vos objectifs. Coco l'a dit, vous avez du talent, maintenant ajoutez-y du travail, de l'audace et de la détermination pour pouvoir. Parce que ça ne peut pas arriver comme ça, ne pensez pas que du jour au lendemain le succès va arriver. Non, pas du tout, ce sont des étapes. Non, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Je parle bien. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout, Castle Milk Stout. It is the new black. Serve dans 1 minute. MJ, nous en voilà. Et allô, on lance. Va-t'en. Notre secret. Rada. Very good. Honda, spaghetti pur, semoule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement.
Merci les amis, si vous nous retrouvez à l'instant, nous sommes toujours avec notre invité Coco Agenté et on partage effectivement son expérience et on espère que vous tirez le meilleur de cette émission parce que c'est de ça qu'il est question, qu'est-ce qu'elle a de positif pour que vous aussi vous puissiez avancer dans ce que vous faites, pas exactement ce qu'elle fait. Hein. Donc, Renaud. Coco, what do you do to bring the solidarity in the milieu of artists? What can we do? What can we do? Yes. Is it do or doing? Can we do? What can we do? What can we do? Yes. To bring the solidarity in. No. Solidarity. Not between. Amongst. Within. Entre. Okay. Entre les artistes. Pour apporter la solidarité entre les artistes, il faut d'abord que chacun accepte sa place. Oui. Ça veut dire que nous, nous sommes de nouveaux artistes. Moi, je me mets à la place d'une nouvelle artiste. Mm-hmm. Ça fait seulement 2 albums. Par contre, j'ai mes aînés qui ont déjà sorti 5, 6, 7, 8, 10 albums, à l'instar de Lady Ponce qui a fait ses preuves. Moi, c'est une femme que je respecte énormément parce que avoir 5-6 albums à succès, ah oui. C'est le travail, c'est la recherche, c'est l'originalité. Et l'humilité. Voilà l'humilité dont je respecte énormément les dépenses parce que c'est quelque part, je vais dire, c'est une locomotive. Oui. Et nous devons suivre cette locomotive-là. Ah, et c'est ce qu'on doit dire. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Oui, Dominique. Justement, quand vous vivez en Belgique, oui? Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent partir du pays pour aller aussi se chercher en paix? Je vous dis vraiment ce que je pense par rapport à ça. Moi, je ne suis pas contre l'immigration choisie. Chacun a le droit de rêver. Moi aussi, j'ai rêvé d'aller en Bain. Mais il y a des personnes qui vont en Bain, qui n'ont pas la chance de réussir. Et il y en a qui vont, qui ont la chance de réussir. Il n'est pas interdit de rêver. Continue à rêver. Mais maintenant, l'Europe, ce n'est pas forcément... Eldorado. Voilà le paradis, je préfère utiliser cette expression-là, parce qu'il y a des difficultés. En Europe, il n'y a pas de famille. En Europe, il n'y a pas d'amis. Parce que ton frère ou ta soeur va te laisser dormir sur son canapé pendant une semaine. Si tu ne lui apportes rien, c'est lui qui appelle la police pour signaler que tu n'as pas de papier. Ouais. Et on te rapatrie. C'est comme ça. Il n'y a pas de famille. Ah, c'est la réalité. Donc, quand quelqu'un va en Europe, il doit avoir les moyens de sa politique. Il doit avoir les moyens de sa politique parce que l'Europe est une ginger piment. Yes, Queen. Well, Coco Agenté, what do you think that needs to be analyzed within the African music in terms of content, especially with Cameroon? What do you think we can ameliorate in Cameroonian music in terms of content? Ouais, parce qu'on a perdu quand même en termes de contenu et tout ça. La musique camerounaise, en réalité, aujourd'hui, Bikuti est fort aujourd'hui. Mais il y a d'autres rythmes qui pourtant devraient pouvoir porter le Cameroun. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer tout ça, pour qu'on sorte un petit peu de l'ombre quand on regarde les autres pays africains? Je pense que, sincèrement, je pense que pour que tout cela soit possible, je dis toujours, l'union fait la force. Les personnes qui ont réussi et qui ont la possibilité d'aider les autres doivent les aider sans réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, c'est généralement, oui, il peut, mais je vais voir comment il va faire. Je vais voir comment il va faire. Alors que c'est possible. Si on s'entraidait, si on s'entendait d'abord, c'est d'abord ça. Et s'il n'y avait pas de jalousie négative, ça aurait été possible. Parce qu'aujourd'hui, chacun a peur de sa place. C'est pas normal, alors que chacun a sa place sur le soleil. Exactement, il faudra qu'on comprenne. La solidarité qui peut permettre que... Exactement, il faudrait qu'on comprenne que c'est la solidarité et c'est ce qui fait le succès des Nigériens, c'est ce qui fait le succès des Ivoiriens. Parce que quand tu vois, à l'époque, Baby Philippe était l'arrangeur de Bordeaux, Likoufa. Baby Philippe a écrit pour des Bordeaux. Aujourd'hui, ils sont tous musiciens. Parfois, tu vois, Baby Philippe a écrit pour Arafat. Entre eux, c'est comme ça. C'est vrai que ce n'est pas forcément le grand amour. C'est ce qu'ils nous font voir, mais on sait qu'ils ont travaillé ensemble à un certain moment. Mais ici, on dira trop quoi de nous qui avons peut-être le vent en poupe. Et à ce moment, tu es obligé en fait de te refermer parce que malheureusement, ça, par exemple, on comprend très bien. Ouais.
quels sont les projets maintenant de Coco Argentée? Aujourd'hui, mon entreprise, c'est CA Corporation. Et CA. CA. Donc, ouais. CA Corporation. Coco Argentée Corporation. Je suis une coopération parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai un orchestre dans la compagnie Argentée. Ouais. J'ai une direction artistique qui est suivie par Monsieur Angelbert Bomba, qui est déjà mon arrangeur, le tonton de la go. Le célèbre tonton. Un genre de tonton. Un genre de tonton. Un sacré arrangeur. À la balance. Oui. J'ai toute une compagnie. J'ai des danseurs. J'ai un secrétariat. Je me suis dit. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Je travaille avec eux. Ça fait 5 ans. Ce sont les mêmes. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vivre mes rêves moi-même. Je n'ai plus envie d'être spectatrice de mes rêves, mais j'ai envie d'être actrice de mes rêves. Bon, bravo à toi pour cette belle initiative. Bravo. Bah, écoute, nous sommes très très fiers de toi, Coco. Et on a tellement envie de te dire de bonnes choses et tout ça. Mais en attendant, il faut que tu passes un peu à la barre. Hein? Tu vas passer à la barre, tu vas répondre aux questions qui te seront posées. Mais c'est toi qui choisis les numéros. Hein? Ok. Voilà, donc on va te dire, après tu prendras un avocat, tu suivras Miss Survive. On prend juste le jingle derrière la barre, on se retrouve juste après. Coco Argentée va passer à la barre. On va aller tout de suite parce que nous sommes pressés d'écouter les réponses de Coco par rapport aux questions qui seront posées. Mais c'est vrai, est-ce qu'on peut avoir les droits de Coco? Donc, tu suis très bien ce qu'il va te dire. Tu auras à choisir un avocat dans le public qui aura la lourde responsabilité de te défendre. Mr. Vice, please, les droits de Coco ce soir. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. De tout ce que vous direz pendant votre interrogatoire, rien ne pourra et ne sera retenu contre vous par les catapultiens. Vous avez droit à un avocat choisi parmi le public ici présent, auquel vous êtes obligé de faire appel au moins une fois. Si vous n'en choisissez pas un dans les 5 secondes, il vous en sera commis un d'office à vos risques et périls. La sentence finale sera prononcée par le public à la fin de votre interrogatoire. Vous serez alors soit catapulté, soit condamné. Comprenez-vous ces droits? Si oui, faites le geste que vous voulez et dites « je catapulte ». Oui, je catapulte. Coco a dit oui, donc tu as 5 secondes pour choisir un avocat parmi le public. Coco, le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Le monsieur? La dame. La dame? Ouais. Elle? Oui, elle. Miss. Elle a l'air émue, donc on va laisser juste le temps que l'avocate de Coco. Hey, c'est la démarche comme ça. L'avocate de Coco. Soit pareil de tous ses attributs. On prend juste ce jingle. L'avocate est en place. C'est maître qui? Maître Pulchérie Jacou. Oh, maître Pulchérie, c'est chaud, hein? Maître Pulchérie a agenté la galaxie. Alors, vous avez la lourde responsabilité de défendre Coco. Ce soir, Coco, tu vas choisir un numéro qui va de 1 à 10 et les questions te seront posées. Numéro 8. Numéro 8. Oups. Oui. Coco, tu es déjà oups. Choisissez un garçon dans le public à qui vous ferez des bisous. Objection. Donc oui, maître, objection. Objection rejetée. Objection. Quelqu'un dans le public, un garçon.
je te cache, il y a un gars qui se... Il dit que je le cache, il dit que je le cache. Donc, Coco... Vous savez, si je fais un bisou à un homme maintenant, mon mari aura la peur pour me demander le divorce. Voilà, voilà, c'est la joue. Oui, Coco. Sentez bien vos têtes, non? Oui. Les yeux sont en train de briller. Je dis que c'est chaud. Bon, on essaie un truc. Qui veut? Qui veut? Qui veut? Oh, je vais prendre mon garçon qui est en rouge là. Il va se mettre là-bas, voilà. Mais d'abord un bisou, non? Tu vas rester là parce que juste à la fin de l'émission, avant qu'elle réponde à la question, elle devait avoir le bisou. Voilà. Après le 8, Coco. Ouais, beaucoup de besoins. Hein. Ah, j'ai déjà peur de bonne idée. Le 2. Le 2. Si vous attrapez votre époux avec votre copine sur le lit conjugal, que Non, pourquoi avant de répondre, fais le bisou. Fais le bisou. Pense que je peux arriver. J'ouvre la porte, je le regarde, je fais qu'il sache que je suis là, je les regarde, puis je vais m'asseoir au salon. Tu les attends. Je pense que le fait de m'asseoir, elles ne sauront pas comment sortir de la chambre. Et maintenant, s'ils sortent, comment tu fais? Tu fais comment? Elles vont trouver une solution. Ça veut dire, je sais qu'ils viendront demander pardon, ou je sais pas, ils vont fuir, ou ils vont, je sais pas. Ou bien on va seulement te voir prendre les valises comme tu prends dans le vidéogramme. Oui, oui, moi je suis prête à prendre. Je prends toujours. Ah ouais? Hein? Ah oui, oui, oui. Ah ouais? Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pardonne pas à mon mari. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Après le numéro suivant, après le 8 et le 2, Coco? Je prends le 5. Le 5? Oui. Vous est-il arrivé de faire la cour à lui? Bisous. Objection. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire la cour à un homme, Coco? Genre, tu vois le gars, tu lui flattes direct, tu dis que non, il ne peut pas laisser le gens. Non, non, pas faire la cour, mais ouais. Je charme. Ah. Oui, j'adore ça, je suis une femme, je suis sexy. Oui, oui. Et puis, tu charmes pas pour... Tu charmes pour faire ton intéressante. Oui. Je joue ma star. Ouais. Alors. Ah bon, hein? Oui, oui. Je charme. Mais elle un peu. Fais un peu. Viens, mets-toi là. Voilà, donc là, Coco a repéré le gars. Coco fait comment maintenant? Comme je suis en train de faire là. Et le gars réagit comment? Ça dépend de lui, c'est son éducation. Réagis, gars. Le 4. Le 4. Quelle partie du corps aimez-vous le plus chez un homme? Mais Dominique, la question là n'est pas bien. N'est-ce pas? La question là n'est pas bien. Quelle partie du corps aimez-vous le plus chez un homme? Sincèrement, je peux répondre à cette question. Hein? Oui. Franchement, la question qu'elle a posée. Hein? J'aime les hommes qui prennent soin dedans. J'aime quand un gars vraiment bien là. La poitrine comme ça. Ah bon? Oui, comment? Ah, la poitrine, la poitrine. Elle a dit, Coco a dit la poitrine. D'accord, vous savez, j'aime vraiment l'allonger la poitrine au pied, comment?
tout est terrible dans la poitrine. Oui, j'aime bien. Velue. Prends soin de lui. Velue ou bien. Non, non, je. Non. Non, non, pas de. Pas de poils. Ouais, d'accord. J'aime pas les poils. Ouais. D'accord. Mon like petit, vérifie pour toi. Hein. Bon, <des poils. rire> Allez, dernier numéro, Coco. Les derniers après le 4, 5, 8 et 2. On va prendre le numéro 1. Numéro 1. Yes. Bisous. Est-ce que Coco a posé un acte qu'elle regrette aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Est-ce que j'ai posé un acte que je regrette? Ben oui, oui. On pose toujours, il y a des actes qu'on regrette tout le temps. Lequel? J'ai choisi des personnes avec lesquelles je travaille et c'est des personnes auxquelles je faisais beaucoup confiance. Je regrette vraiment d'y avoir cru, d'avoir donné ma confiance de façon aveugle. Donc maintenant tu ne peux plus aveuglément. Non, non. Donc je ne peux plus donner ma confiance aveuglément. Maintenant c'est cuit. Là ça a cramé Yolande. Ah ouais. Ça a brûlé carrément. Voilà, donc il faut faire très attention lorsqu'il s'agit de choisir les personnes avec lesquelles on va travailler. Mais c'est très difficile de savoir tout de suite parce qu'il y a tellement d'hypocrisie. Exactement. Que quelqu'un se présente à toi, et puis après te... Dans le dos. Mais ce sont les expériences qui permettent de mûrir. C'est-à-dire qu'il faut passer par là pour pouvoir grandir. Bon, pourquoi a répondu aux questions qui lui ont été posées? Le public n'a pas une question pour moi. Quelqu'un a une question? Oui, la question. Bonsoir, pourquoi j'entends moi? Ma question c'est une fois redevenu cadre imanagé, c'est réel ou c'est juste une chanson? Le titre de la chanson c'est Coco Carbure en euros. Oui, cette chanson c'est une chanson réelle, c'est pour ça que je la chante avec autant d'émotion. Et c'est pourquoi c'est votre chanson préférée, parce que vous sentez la sincérité dans cette chanson. Je suis beaucoup plus heureux. Voilà. Ça fait beaucoup pleurer. Toi, tu pleures. Elle pleure beaucoup. C'est pour ça que Dominique a aussi choisi ça. Donc, c'est la même chanson. Donc, alors, Coco a répondu aux questions qui lui ont été posées, mais maintenant, on va savoir si elle a été catapultée ou pas. Est-ce que le public a validé? Donc, c'est juste après ceci. Pour vous qui voulez nous rejoindre. Rejoignez la communauté Catapulte sur la page Facebook de Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Hello, welcome to the quiz. Toi aussi, tu veux être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce magnifique t-shirt Je Catapulte? C'est simple. Il te suffit de répondre correctement à la question suivante. Quel nom d'artiste porte notre invité de ce soir? Envoyé par SMS au 81 93, KTP1 pour Cocotte l'argent, KTP2 pour Coco argenté ou encore KTP3 pour Cocotte argence. Bravo aux précédents gagnants, merci et à très bientôt. Pratiquement à la fin de l'émission, madame, monsieur, Coco a janté passé à la barre et a répondu aux questions qui lui ont été posées. Et là, vous avez eu des informations pour nous retrouver à l'émission. Pour ceux qui manquent l'émission en direct, vous pouvez retrouver sur www.mymarabou.com. On en profite pour remercier toute la communauté camerounaise qui est aux États-Unis, particulièrement Eric Michel Changa qui nous suit de là où il est. Donc, merci à tous vous. Tous qui nous suivez via internet, via votre petit écran. Alors, Coco a-t-elle été catapultée ou condamnée? Ça, c'est le public qui décide, Coco. À vous, public. Catapultée. Donc, ce qu'on va te demander de faire, Coco, c'est que tu vas venir ici, sur le podium. On va regarder comme ça. Et pour ce public, charmant public, qui t'a catapulté, tu vas chanter et on doit normalement faire une choré ensemble. Ah oui? Voilà. Elle a plus. C'est ça.
j'étais là pour toi. Là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. Allez, nous sommes arrivés définitivement à la fin de l'émission. On aurait voulu que ça continue parce que tellement Coco parle bien. On espère que vous tirez, vous avez tiré le meilleur de cette émission, Queen. That's the end now. Oh yes, we have come to the very end of this wonderful edition that we did not want to end. But I want you to remember that some decades ago, a wise man said that it is on the belief that you are your brother's keeper, you are your sister's keeper, that make the society grow. As you grow, do not forget those who are behind you, for on your way down, you might meet them. So like Coco Ajante, admire those who have worked, those who have grown, and with your passion, with hard work, you make it one day. One day, one day. Ah, yeah. Nelson Mandela disait, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons la possibilité aux autres d'en faire autant. Soyez persévérants, croyez en vous, et surtout n'oubliez pas, l'audace sourit, et vous alors réussir à ceux qui savent se saisir des occasions. C'est la poésie de Dominique. C'est Dominique, ça. Hein? Bon, ce soir, très chers téléspectateurs, grâce à Coco, à Jean-Antoine, on a pu apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a pu apprendre que quand ton frère en haut essaye de venir vers lui, lui demander que ça se passe, comment on fait, comment pour apprendre, pour pouvoir émerger. Quand tu crois en tes rêves, tu peux. Il faut travailler. Parce que pour pouvoir arriver où elle est aujourd'hui, elle a beaucoup travaillé. Elle ne s'est pas levée un matin, bouf, c'était là. Elle a bossé et tout ce que je peux vous conseiller, c'est beaucoup travailler et de beaucoup croire en ses rêves. Mm-hmm. Parce que la vie, c'est par devant. Oui, comme Coco l'a dit, toujours croire en ses rêves, ne pas se laisser abattre par les échecs et les chutes que l'on rencontre dans la vie. Car c'est à force de forger que l'on devient forgé. De quoi est-elle faite? Alors, je réponds à tes questions. Elle est faite d'adieu au travail. Elle est faite de persévérance. Elle est faite. Je pourrais plus la qualifier. Agentée. Elle est agentée. Elle n'est pas flore. Oui. Donc, faites comme Coco Agentée. Essayez de tirer le meilleur d'elle. Et Coco Agentée, bravo. Merci. Oh. Allez. Comme ma cliente Coco Galaxy a dit tantôt, il faut travailler pour arriver à ses besoins. Oui. Moi, je travaille dur en ma qualité d'avocat. Oui. Donc, ça. On va voir comment elle va gérer mes oreilles. C'est ça. Les oreilles. Allez, nous sommes arrivés. Coco, un dernier mot avant qu'on ne se sépare définitivement. Avant qu'on ne se sépare définitivement, je voudrais dire sincèrement merci à tous les fans, à tout le public qui a répondu présent. Je sais qu'ils ont peut-être laisser ce qu'ils avaient à faire pour nous suivre aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils aiment la culture, ils aiment l'émission de Catapulte, ils adorent et ils encouragent tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait pour pouvoir élever la culture camerounaise. Alors, je voudrais aussi dire à vous, Dominique, qui est là, MG et Tessera, franchement, je vous tire un coup de chapeau pour l'initiative et c'est une très belle émission. Et puis le jour où vous aurez besoin de moi, je serai toujours disponible pour vous parce que maintenant je fais partie de la famille. Je vous aime. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette production. Comme vous devez le savoir, Catapulte, c'est votre émission, c'est pas la nôtre. Envoyez-nous vos messages à travers www.mymarbou.com et aussi à travers Facebook, Twitter et tous les réseaux, au niveau des réseaux sociaux, tous les messages que vous avez. Écoutez, on vous adore, on vous dit merci pour tout et on espère vous retrouver la prochaine fois avec un nouvel invité qui fait la fierté du continent africain. Bravo à toi et on te souhaite bon vent. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve la prochaine fois, mais sachez toujours que tomorrow is... Another day!